tout est sage dans ce petit village où les jours se ressemblent tous. Un village où les gens parlent vraiment de tout et de rien. Bonjour! 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 Commence par retrouver sans surprise le bon vieux pain du boulanger. Tous les matins sont en somme, comme le matin où nous sommes arrivés dans ce village. Oh, bonjour, belle. Bonjour, monsieur Jean. Vous avez encore perdu quelque chose? Eh oui, il me semble. Le problème, c'est que je ne sais même plus quoi. Je suis sûr que ça va me revenir. Où est-ce que tu vas? Rendre un livre au père Robert. Ça parlait de deux amants maudits à Vérone. D'un ennui mortel. La tête ailleurs et ce petit air audacieux d'un chat sauvage sous une ombrelle. Elle prétend être à la page, mais elle est dans les nuages. C'est vrai qu'elle est très bizarre, mademoiselle Belle. Bonjour, ça va? Et votre famille? Bonjour, très bien. Et votre femme? Il me faut 6 œufs. Vous n'avez plus de fête. J'aimerais pouvoir enfin vivre mes rêves. Ah, voilà la seule lectrice assidue du village. Alors, qu'as-tu exploré cette semaine? 2 cités au nord de l'Italie. Je n'avais vraiment pas envie de revenir. Vous avez des endroits nouveaux où aller? Pas cette fois, non. Mais tu peux reprendre ce que tu avais apprécié. Merci. Grâce à votre bibliothèque, notre petit coin du monde semble immense. Bon voyage. Au revoir. Tête ailleurs, les yeux levés vers le ciel. Elle m'a l'air très superficielle. Ouvrez la bouche. Elle a toujours l'air absente ou plongée dans ses romans. Quel mystère pour nous que cette mademoiselle Belle. Oh, quelle histoire romantique. Elle fait vraiment mon bonheur. C'est là. Chapitre 3. Il faut avouer que son nom est fait pour elle, car sa beauté est sans pareille. Mais sous son visage tanche, elle est vraiment très étrange. C'est vrai qu'elle ne ressemble à personne. Non, elle ne ressemble à personne. Sylvie ne ressemble à personne. C'est belle. Regarde-la, le fou. Ma future femme. Belle est la plus merveilleuse fille de tout le village, ce qui en fait le meilleur parti. Mais elle est tellement intellectuelle, et tu es tellement athlétique dans ton genre. Tu as raison. Mais Belle est aussi rebelle que belle, mon petit le fou. Justement, pas besoin d'elle puisque je suis là. Ouais. Mais depuis que je suis revenu du front, je trouve que ma vie est incomplète. À l'instant même où j'ai vu cette ingénue, je suis tombé amoureux d'elle. Car elle seule ici-bas est vraiment digne de moi. Et j'épouserai bientôt mademoiselle Belle. Il est divin, il est à frémir. Monsieur Gaston, quel beau garçon. Mon cœur s'emballe, je vais défaillir. Gaston. Ce poids ta jolie plaie et ma main de brie. Pardon, je vous le découpe. Vous permettez le pain les sols et sec sont verts. Et vous j'aimerais pouvoir enfin vivre.